Pendant ce temps... Broum. Pendant ce temps, au commissariat d'Aurillet en Velac. Commissaire, commissaire! Ah ouais, donc frapper la porte, c'est toujours pas un réflexe pour vous, hein? Pour l'enquête sur le voleur d'endives, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, commissaire. Ah, enfin! Allez, bah, commencez par la bonne, pour une fois. Je voulais vous demander, commissaire. Généralement, tout le monde commence par la mauvaise nouvelle pour terminer par la bonne. Mais vous, vous faites toujours l'inverse. Comment ça se fait? Dites-moi, lieutenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Du coup, je savais pas par quoi commencer avec toutes ces histoires. La mauvaise, non? La mauvaise, bien. Vous n'avez plus à enquêter sur le voleur d'endives. Ah, mais c'est pas une si mauvaise nouvelle, vous savez. J'en ai marre de me les geler dans les champs toute la journée. Et la bonne? La bonne? Eh bien, je vous renvoie à la circulation. Quoi? Mais en quoi c'est une bonne nouvelle, commissaire? C'est une bonne nouvelle pour moi. Allez, fichez-moi le camp, maintenant. Mais maintenant, je vais me les geler à côté d'un rond-point, commissaire. Et fermez la porte! C'est pour qui la bonne salade d'endive? Mais c'est pour la commissaire Vitlaf, bien sûr.